Dans cette vidéo aussi, nous allons voir plus en détail l'étape 0.3, modification de la liste de diffusion. D'abord, se rappeler que chacune des listes de diffusion qui se trouvent ici, avec ses différents contenus, est associée à une zone qui a été sélectionnée à l'étape précédente. Donc, par exemple, ma liste de diffusion ici, qui se nomme Principale ITES Média, est présentement associée à la zone qui est sélectionnée en bleu, ma zone qui se nomme Principale. Et je peux également voir donc ma liste de diffusion qui est associée, c'est Principale ITES Média. Et on voit le nom également ici. Même chose si on regarde la zone secondaire. On peut voir ici que le nom de ma zone est secondaire et la liste associée est secondaire générale. On retrouve le nom ici aussi. Donc pour modifier la liste de diffusion, il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut être aussi simple que de changer l'ordre en cliquant et glissant. Ça peut aussi être de modifier les paramètres de la liste. Donc changer le nom de la liste de diffusion, changer la largeur, la hauteur le type de transition par défaut, la durée de la transition par défaut. On pourrait également vouloir remplacer la liste qui est présentement affichée, donc en cliquant sur les deux flèches. Puis ici, on peut venir soit créer un nouveau répertoire pour des listes de diffusion, modifier le nom d'un répertoire ou encore créer une nouvelle liste de diffusion. Le plus important, c'est comment ajouter des nouveaux contenus dans votre liste. Donc pour le faire, il faut cliquer sur le bouton ⁇ Plus ⁇ qui se trouve ici. Et là, on voit tous les types de contenus qu'il est possible d'ajouter. Il faut savoir, bon, ce qu'on voit présentement, c'est les contenus disponibles avec la version pro du logiciel. Si vous avez une version starter ou une version premium, vous n'avez pas nécessairement toutes les mêmes options qui s'affichent là présentement. En terminant, d'autres modifications qui sont possibles de faire, c'est au niveau de chacun des contenus dans la liste. Donc, c'est possible de les supprimer, de les dupliquer, d'accéder à leurs paramètres et d'en modifier le contenu. Tous des choses qui vont être vues dans une prochaine vidéo.